Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la séance jour 2 sur le son G de guitare. Pour cela, vous aurez besoin du manuel Piloti à la page 121. Vous aurez aussi besoin d'une ardoise ou d'une feuille de brouillon. Pour commencer, nous allons commencer par le manuel à la page 121. Avant de lire le texte, nous allons prendre le temps, comme les autres séances de jour 2, pour compter le nombre de phrases qu'il y a dans le texte. Je rappelle, une phrase, ça commence par une majuscule et ça termine par un point. On va donc s'aider des différentes sortes de points pour compter les phrases. Marina vous a rappelé la dernière fois qu'il existe les points d'interrogation, les points d'exclamation, mais aussi les points de suspension. Pour rappel, point, point d'interrogation, point d'exclamation et point de suspension. Elle avait également rappelé que les deux points ici ne terminent pas une phrase. Je vous laisse compter le nombre de phrases de ce texte et vous pouvez faire pause sur la vidéo. Vérifions ensemble. Un point. Ici, il n'y en a pas. Un deuxième point. Ici, il n'y en a pas. Un troisième point. Un quatrième point qui est un point d'exclamation. Ici, il n'y en a pas. Un cinquième point. Un sixième point qui est un point de suspension. Et un septième point qui est un point d'exclamation. Ce texte contient 7 phrases. Je vous laisse le temps de compter maintenant le nombre de lignes. Vous pouvez faire pause sur la vidéo. Vérifions ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce texte contient 7 phrases et 8 lignes. Nous allons pouvoir maintenant nous lancer dans la lecture. Avec un adulte, vous allez prendre le temps de lire le texte. Une fois qu'il a été lu une première fois, pour les enfants plus à l'aise en lecture, vous pouvez faire une deuxième lecture en essayant d'être un peu plus rapide. Pour les enfants moins à l'aise, la deuxième lecture se fera par l'adulte en lecture offerte. Je vous laisse faire pause sur la vidéo. Vérifions maintenant que vous avez bien construit, pardon, que vous avez bien compris l'histoire. Voici 4 petites questions de compréhension. Vous pouvez y répondre à l'oral ou sur une ardoise. Première question, qui est dans cette histoire? Deuxième, qu'est-ce que Tanguy aime faire? Troisième question, avec quoi, le bulldog a-t-il été déguisé? Et dernière, à qui appartient la guitare? Nous allons pouvoir mettre maintenant le piloti de côté et nous concentrer sur notre dictée de phrase du jour. La phrase d'aujourd'hui est la suivante. Marguerite se déguise en guenon pour faire une blague. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous retravaillerons le son G, le G de guitare, qui s'écrit G-U si derrière il y a un E, un I ou un Y, pour éviter qu'il ne chante J. Première chose que nous allons faire, c'est compter le nombre de mots dans cette phrase. Je vous laisse faire pause pour compter le nombre de mots. Vérifions ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cette phrase contient 9 mots. Comme les autres séances de jour 2, sur votre ardoise ou sur une feuille de brouillon, vous allez prendre le temps de tracer 9 traits pour chacun des 9 mots de la phrase. Observons maintenant les pièges de cette dictée. Une phrase commence toujours par une majuscule et se termine toujours par un point.
On pensera donc à mettre la majuscule de Marguerite et le point à la fin de la phrase. Regardons en détail chacun des mots. Marguerite, on pensera bien à mettre un G et un U, puisque derrière il y a la lettre E. Marguerite se déguise, je pense à mettre un G et un U, puisque derrière il y a un I. On retrouve également la règle du son Z, vu la semaine dernière. En, mot outil que vous connaissez, guenon, je pense à mettre un G avec un U, puisque derrière il y a un E. Pour faire une blague. Blague s'écrit avec un G et un U, puisque derrière il y a un E. On n'oubliera pas également le E de déguise, le E de faire, et puis le petit piège du son E de faire. Je vous laisse un instant pour faire pause sur la vidéo, pour prendre le temps de copier cette phrase en vous aidant du modèle sur chacun des traits qui composent la phrase. Je vous laisse faire pause. Vous prenez maintenant le temps de faire vérifier ou de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur en recopiant les mots. Je vais pouvoir cacher la phrase et démarrer la dictée. Vous, sur votre ardoise ou sur votre feuille, on efface bien tous les mots, on ne garde que les 9 petits traits. Nous allons reprendre les mots de la dictée dans le désordre. Sur le dernier trait, vous écrirez le mot « blague ». Sur le cinquième trait, vous écrirez le mot « guenon ». Sur le premier trait, vous écrirez « Marguerite ». Sur le troisième trait, vous écrirez « Déguise ». Sur le septième trait, vous écrirez « Faire ». Sur le deuxième trait, vous écrirez « Se ». Sur le sixième trait, le mot « pour ». Sur le huitième trait, le mot « une ». Et sur le quatrième trait, le mot « en ». Je vous laisse le temps de corriger votre phrase en vous aidant du modèle de l'écran. Et maintenant, vous allez pouvoir effacer une dernière fois vos mots et ne garder que les petits traits, les 9 petits traits qui composent la dictée. Et vous allez pouvoir réécrire toute la phrase dans le bon ordre en mettant bien un mot par petit trait. La phrase est la suivante. Marguerite se déguise en guenon pour faire une blague. Je vous laisse faire pause sur la vidéo. Et voici la correction. Prenez le temps de corriger. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à une prochaine vidéo.